Ce petit interview. C'est normal. Sinon, je te laisse te présenter. Ok, bah, moi, c'est Adam, joueur de football à Saint-Just-Saint-Rambert. Et là, c'est ma première saison. D'accord, tu as évolué dans quelle équipe? Là, à Saint-Just-Saint-Rambert. Je veux dire, je sais qu'il y a plusieurs équipes. T'es dans la première ou la deux? Moi, je suis dans la première. D'accord, du coup, tu évolues en D3. C'est ça. Du coup, tu évolues sur quel poste sur le terrain? Il est droit et en ce moment, j'essaie le poste à CIAL. Ça, c'est pas trop chaud? Non, ça. D'accord, et sinon, c'est ton fauteuil perso ou ton fauteuil qu'on te prête? Non, c'est un fauteuil que le club me prête pour jouer en faux fauteuil. Ah, ben c'est cool que tu as pu avoir qu'on te prête un fauteuil. C'est vrai que ils ont pas forcément des fauteuils de partout, quoi. C'est vrai, ouais. C'est vrai que c'est pas aussi simple. Mais sinon, comment t'as entendu parler du foot fauteuil? Ben moi j'en faisais j'en fais encore dans le centre où je suis accueilli en journée. D'accord. Et après je voulais m'inscrire dans un club. Et j'ai connu Yacine sur internet, ouais. Qui m'a parlé de son équipe Saint-Just-Saint-Rambert et voilà. D'accord, comme ça, c'est comme ça que t'es venu dans cette équipe. C'est ça. D'accord, sinon tu ne regrettes pas d'avoir essayé le foot fauteuil? Non, du tout, du tout. Du coup, je suppose que t'es sûrement supporter de santé ou pas du tout? Pas du tout. Ouais, du coup, t'es pour une autre équipe? Oui, moi je supporte Lyon. Oh, t'es pour Lyon? Ouais. Wow. Un supporter lyonnais à Lyon, à santé. Waouh. C'est ça. C'est ça, bah ouais. Alors vous allez peut-être jouer avec nous en Ligue 2. Oui. Ça craint. Ouais, ça craint de fou. Pour une équipe aussi grosse comme l'Olympique Lyonnais, moi ça me fait rire que ça se casse la gueule, quoi. C'est quand même dommage. Oui, moi aussi. En vrai, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ah bah ça, tu sais comment c'est le football. C'est toujours chiant. Mmh. C'est bon. C'est ça.
En fait, tu es dans le département du 42, je suppose. De 42, j'habite près d'André-Zé-Boutéon. Ah, d'accord, t'es dans la... tu viens de... t'es de la plaine. C'est ça, ouais. Non, comme ça te fait pas trop loin pour aller aux entraînements. Oui. Ouais, bah c'est cool, c'est cool. Mais sinon, à part le foot-fauteuil, t'as d'autres occupations ou pas du tout? Comment j'ai pas compris? Non, à part le foot-fauteuil, t'as d'autres activités ou... comment ça marche? Moi, je suis accueilli dans un centre la semaine au Chambon-Feugerolles. Ah, d'accord. Et comme ça, vous faites des activités. C'est varié les activités ou pas du tout? Oui, c'est varié. Il y a de tout. D'accord, Il y a... bah. Au Ouais. moins, comme ça te permet de voir des copains, de ne pas rester chez tes Oui. parents et que c'est bien pour tes parents aussi que toi, tu as des activités sans eux aussi. C'est ça que c'est Ouais, important. Je veux dire, c'est vrai que toi, tu as envie de rebrouiller le maximum sans tes parents. Ça peut se comprendre aussi. c'est ça, oui. En même temps, forcément, quand on est un jeune homme adulte, on a envie de se débrouiller tout seul un petit peu. Oui, c'est sûr. Après, voilà. Je suis encore jeune, mais oui, j'ai envie de faire des choses tout seul et voilà. Oui, comme le foot-fauteuil, t'as vu que c'était une activité que tu pouvais faire seul. Oui. Je veux dire, c'est vrai que ça t'a donné de l'autonomie aussi, un peu Oui. plus. C'est sûr, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi. D'accord, bah ouais, c'est vrai que c'est cool que moi, t'as des copains. Tu rigoles bien, je suppose. Ah oui, on se marre. Ouais. Et niveau foot-fauteuil, là-bas, c'est très différent de Saint-Just-en-Robert, je suppose. Ben oui, en effet, c'est pas un club, c'est une équipe, c'est... Ouais, Regarde, on joue pas avec des fauteuils, des faux fauteuils, on joue bah. avec des fauteuils de récupération. Ouais, des fois, voilà. Tu sais, moi, à mon époque, quand j'étais au comble de la grange, et même quand je suis allé après à l'olivier, on a à partir de l'olivier, on a mélangé toutes les équipes. Mais le problème qui se passait, la plupart des personnes avaient peu de fauteuils adaptés pour le foot. Du coup, c'était nos fauteuils perso. Du coup, après, c'est vrai que puis on a certains qui ont changé de fauteuil de la vie de tous les jours. Du coup, la plupart des fauteuils sont pas aménagés pour. Du coup, on leur donne des fauteuils, entre guillemets, d'une seconde main. C'est vrai que t'as pas forcément l'évolution que tu as sur le terrain que avec un strike. Ouais, c'est sûr. Tu vois, je connais un peu, tu vois, dans le centre où tu es, je connaissais la plupart des personnes. On a joué tous dans la même équipe, quasi. Du coup, je les connais. Par exemple, je sais que tu as joué. Je sais, je crois que. Je sais pas si tu joues dans la même équipe que Julien Roustan, ça, je sais pas. Du coup, ça marche comment? C'est deux équipes, ça? Ils auront deux équipes? Ça dépend, hein. Ça dépend des matchs.
D'accord, bah en gros, il faut un peu comme il veut, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Oui. Sinon, t'arrives quand même à te faire plaisir avec eux, en fait. Oui. C'est vrai que quand on est habitué à un style de jeu qu'on joue très différemment, c'est vrai que ça fait bien, hein. Moi, tant que je suis sur un terrain de foot-fauteuil, ça me Ah, tant mieux, c'est vrai va. que c'est cool de pouvoir jouer au foot. Comme on peut, quoi, avec les moyens du bord. Ouais. Aussi, mais ouais, c'est vrai que voilà. Mais sinon, tu trouves que les. Rien à voir. Non, là. Je bug, excuse. Oui, du coup, est-ce que tu as suivi un peu la Coupe du Monde de foot fauteuil? Bien sûr, bien sûr. Je supporte beaucoup l'équipe de France. Je regardais beaucoup Momo Gayami. Ouais. Je trouve que c'est un très très bon joueur, Momo. Oui, c'est sûr qu'il a montré à tout le monde qu'il débrouillait pas mal. Mais Oui. toi, t'avais pas des équipes favorites ou pas du tout? Ouais, c'est vrai qu'il joue simple, efficace. Mais je vais te donner un exemple, je vais être honnête avec toi. La France est mon pays, ça, y a pas de problème. Ça, je suis supporter comme les autres, comme tout le monde, mais j'ai trouvé que les Anglais, ils sont bien aussi. Je trouve qu'ils sont très, très forts techniquement. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai que, à comparer aux Américains, moi, l'équipe qui m'a déçu le plus, c'est les Américains. Oui, après moi, ouais, comme t'as dit, l'Angleterre, c'est quelque chose pour ce. Ouais. Mais j'ai trouvé que, pendant la finale, les Anglais, ils étaient un peu perdus. Oui, peut-être trop de pression et tout. Bah, en même temps de jouer contre l'équipe de France, tu te dis, punaise, j'ai intérêt de faire gaffe, puis ils vont me libérer, quoi. En plus, c'était les champions du monde 2017. Et là, en 2023, ils ont regagné la Coupe du Monde. Du coup, ils sont doublement champions du monde. Bah, tant mieux, c'est cool, je trouve. Mais bon, c'est vrai que. Tu vois, j'ai trouvé que l'équipe de France était correcte. Oui, très correct. Bah, j'ai trouvé qu'ils ont mieux joué. Bonjour, merci Ouais. d'avoir accepté. Du coup, je te laisse te présenter. Moi, c'est Stage, j'ai 37 ans, je fais du fauteuil depuis 12 ans maintenant. D'accord, tu joues dans quelle équipe? Je joue dans le club. Au club de Rouen. Tu évolues de quel poste sur le terrain? Ça dépend des saisons. Parfois, je suis défenseur, parfois, je suis au milieu de terrain. Cette D'accord. année, je suis au milieu de terrain. D'accord, c'est un poste que tu aimes bien. Le poste que je préfère, c'est défenseur. C'est vrai que c'est plus intéressant de pouvoir être au milieu de terrain et faire à peu près tout ce qu'il faut faire, quoi. Oui, voilà, mes milieux relayeurs. D'accord. Et C'est ça. concernant ton matériel, contre le prêtre ou c'est ton propre fauteuil? C'est mon propre matériel.
J'ai acheté mon Strike Force il y a longtemps. Maintenant, j'en ai même un deuxième. J'ai failli en avoir un troisième, mais pour ça, j'en ai deux. D'accord, t'en as deux comme ça. C'est plutôt un choix ou c'est juste au cas où? Bah, le premier, en fait, j'ai donné au club, entre guillemets, parce qu'il commençait à vieillir. Et puis, en fait, il s'avère qu'il a tout le stock. Il tient encore. Je pensais pas qu'il allait tenir, il tient encore. Tant mieux pour tes collègues et toi, quoi. C'est vrai que le problème, les clubs, ils ont pas forcément l'argent pour se racheter des fauteuils électriques, quoi. Pour la petite histoire, c'est moi qui ai fait découvrir le Strike Force à mon club. Vu qu'ils étaient la première année réticents à en acheter, je l'ai acheté de moi, de ma poche. Et ils ont tous découvert et tous. Maintenant aujourd'hui tout le monde en a un. Mais c'est il y a que moi qui a mon propre fauteuil. Tous les autres ont acheté ont forfait du club. Ouais, d'accord, mais le problème c'est ces fauteuils de sport, le problème, c'est vrai que quand la personne a un handicap plus lourd, c'est vrai que c'est plus compliqué de prêter un fauteuil. Je vais te donner un exemple. Par exemple, moi, j'ai un handicap lourd, du coup, c'est vrai que pour me prêter un fauteuil, c'est plus délicat que, voilà. Bon, en général, j'ai mes propres fauteuils. À cause de mon handicap, c'est vrai que j'ai besoin de matériel un peu plus que d'autres, qu'un peu plus lourd pour ma pathologie. Ça, c'est normal. Mais c'est vrai que logistique pour les déplacements. Comment vous faites exactement, en fait? On fait prêter les camions. Via l'APF ou via d'autres structures, d'ailleurs avoir un camion de moyenne taille. D'accord, en fait, en fait, ton club, c'est un centre, c'est ça? Non, c'est un club d'une ville. Il y a pas de centre derrière, il n'y a rien. Ah, d'accord, en fait. À Rouen, il n'y a pas de centre. Ouais, d'accord, c'est vrai que si vous arrivez à avoir au moins des véhicules, quand vous prenez des véhicules, c'est vrai que pour se déplacer, c'est vrai que c'est pas facile. En général, il faut deux camions, c'est ça? Oui, un camion pour les fauteuils. D'accord, j'ai oublié de te demander, tu es dans quelle division? Actuellement, je suis dans l'équipe en Détroit. Ah, en Détroit, d'accord, t'es... Le Détroit, c'est pas coupé en deux, si je me trompe pas. Si, c'est bien ça. D'accord, en fait... Ils refont l'ancien système il y a longtemps. T'arrives à supporter les longues distances en fauteuil ou... Ouais, ça va, moi, j'ai habité un moment sur Lyon, c'est vrai que j'ai arrêté de m'entraîner sur Lyon. Du coup, j'allais à Saint-Just, c'est vrai que... Ça allait, tu vois, t'as pas le temps de t'ennuyer, tu rigoles avec les copains, c'est ça qui est sympa. Moi, j'ai adoré, quoi, tu vois, rigoler avec les copains. Par contre, c'est vrai que c'est très fatigant. T'es pas obligé de répondre. Au niveau handicap, t'as quoi comme handicap? Moi, je suis paraplégique. T'as pu trouver d'autres activités pour pouvoir t'occuper? C'est vrai que de rien faire de ces journées, c'est ennuyant. Au final, non, parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir mon accident en allant à mon travail. Ouais. Donc j'étais pris en accident de travail. Du coup, je voulais te demander au niveau, comment tu as découvert le fauteuil? En 2011, à la Coupe du Monde en France. D'accord.
tombé dessus par hasard. Je suis tombé dessus par hasard. Sur Facebook, et je dis c'est génial, tiens, il y a un club dans ma ville, je vais y aller, et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est quand même intéressant, quoi, que tu vois un truc qui pourrait t'occuper, du coup, c'est top, quoi. Ce que je voulais en. J'ai fait la réduction dans la centre d'animation. Et je voulais refaire du sport. Et eux, en fait, je ne sais pas pourquoi, enfin, ils m'ont jamais parlé du fauteuil. Bah, en fait, le problème. Ils connaissaient, mais ils m'ont. Tu sais. Que j'ai failli me lancer un peu. Ouais. Tu sais, le problème de. J'ai failli me lancer dans le. Tu sais, le problème qui se passe. Tu vois, quand tu demandes à des soignants et tout ça, ils connaissent pas forcément le foot-fauteuil, tu vois. C'est quand non. Les gens peuvent avoir une formation sur le médical, ils peuvent pas savoir ce qu'on peut faire comme activité sportive aussi. Là, c'est la dernière question que je voulais te poser. Du coup, je voulais te demander ce que tu aimerais transmettre comme message aux gens qui connaissent pas le foot fauteuil. Venez découvrir. D'accord. Venez découvrir, franchement, ça vaut le coup. Tous les centres, sortez-vous les entre guillemets, faites découvrir à tout le monde ce sport, merde. Salut Marvin, donc moi c'est Mathieu. Concernant le foot fauteuil, j'ai commencé en 1996 à jouer à la Fondation Richard. J'ai pu être champion de France en 2002 avec l'équipe de la Fondation Richard qui s'appelait à l'époque les Cobras. Et j'ai joué pendant 10 ans avec l'équipe de Lyon. Après, j'ai arrêté 4 ans. Après, j'ai repris 6 ans, toujours avec l'équipe de Lyon. Et en 2013, j'ai été recruté par l'équipe de Nanterre pour une saison. Tu regrettes rien, tu trouvais avec ton parcours. J'étais content de pouvoir jouer au foot-fauteuil, parce que quand j'étais petit, à cause de ma maladie, mon handicap, quoi, je ne savais pas si un jour je pourrais jouer au foot, qui est un des sports que je préfère. Et on m'a dit, si... à l'époque, à la Fondation Richard, tu as la possibilité de pouvoir jouer au foot, enfin d'une autre façon, quoi, avec un fauteuil, un pare-choc, un ballon et puis en avant, quoi. T'as pas eu peut-être les mêmes sensations qu'un footballeur, mais t'as eu une autre sensation. Oui, voilà. Enfin, mon handicap, au départ, je pouvais un petit peu courir, un petit peu marcher, donc j'ai eu les sensations de quelqu'un qui était debout. On joue au foot, mais après c'était difficile, donc j'ai dû me mettre en fauteuil roulant. Et à ce moment-là, j'ai eu la sensation de pouvoir jouer au foot sur un fauteuil. Alors, la sensation est un peu différente, c'est sûr, mais c'était super pour moi, quoi. Je pensais pas pouvoir jouer au foot en étant assis sur un fauteuil. Oui, c'est clair. Et dans le fil de temps. Au niveau de toutes les années que tu as pratiqué le foot-fauteuil, tu as vu un peu les améliorations du foot-fauteuil? Oui, bien sûr. Moi, quand j'ai commencé au milieu des années 90, on jouait avec nos fauteuils personnels, fauteuils perso. C'est des fauteuils avec une vitesse un peu plus réduite qu'aujourd'hui, quoi. Et petit à petit, au fil des années, les fauteuils se sont améliorés jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, tu vois la différence. Le Strike Force, c'est le fauteuil qui te permet de jouer au foot-fauteuil et de pouvoir avoir des super sensations et puis de pouvoir même faire un peu de spectacle pour les supporters, les spectateurs. Parce qu'une frappe de Strike Force et une inversée de Strike Force ou
c'est quand même impressionnant, quoi. Ça permet à notre discipline de pouvoir être un peu mieux représenté, quoi. Placement, c'est vrai que c'est pas forcément évident, ces fauteuils, au niveau logistique. Non, c'est sûr. T'es obligé de partir avec deux fauteuils, partir avec deux véhicules, quoi. Ouais, c'est sûr. En plus, c'est vrai que dans le milieu handisport, c'est vrai que c'est pas évident de trouver des bénévoles aussi. Non, c'est pas évident de trouver des bénévoles. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, les joueurs sont accompagnés de familles ou d'auxiliaires de vie. Et c'est plus difficile de trouver des bénévoles, mais il n'y a pas que dans le handisport qu'on a du mal à trouver des bénévoles. Ouais. Dans toutes les associations différentes, c'est de plus en plus compliqué, quoi. Tu vois, tu me disais que tu avais fait longtemps du foot fauteuil. Du coup, tu fais toujours des trucs pour le foot fauteuil ou pas du tout? Si, j'ai pas arrêté. Ça fait plus de 20 ans maintenant, bénévole dans le milieu du foot fauteuil. Donc j'ai été coordinateur de la région Auvergne-Rhône-Alpes à une époque. Je suis bénévole à Handisport Lyonnais pour la section foot-fauteuil depuis maintenant 20 ans. Donc je m'occupe un peu de tout ce qui est organisation de week-end de compétition. Je m'occupe de tout ce qui est déplacement, tout ce qui est sponsoring. Avec un ou deux bénévoles, on s'occupe de tout ça. C'est vrai que c'est beaucoup de travail parce que il faut le faire, et puis voilà, c'est bien, mais ça prend du temps, quoi. Ça, comme là, tu vois, le week-end dernier, il y avait un week-end de compétition de D1 à Lyon, Vénissieux, et on a eu beaucoup de choses à faire avec mon collègue Amine, beaucoup de choses à faire au niveau de l'organisation. C'était pas évident, c'est un peu de stress, et en plus, on joue en même temps, donc on remercie toujours nos bénévoles, car on a pas mal de bénévoles qui sont venus sur ce week-end-là, qui nous ont beaucoup aidés, et c'est important, quoi. On peut dire que c'est grâce à la Fondation Richard que tu as pu connaître le foot fauteuil. Oui, c'est ça. C'était à l'époque qu'il y avait encore Bernard Marin, le prof de sport de l'époque. C'est lui qui m'a fait découvrir le foot fauteuil avec les joueurs qu'il y avait à l'époque, au milieu des années 90. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Bernard Marin a été l'initiateur de ce sport avec des personnes handicapées de la Fondation Richard au milieu des années 80. C'est eux qui ont été les premiers à mettre un pare-choc sur un fauteuil pour pouvoir jouer au foot-fauteuil. Dernière question. Je voulais te demander ce que tu voulais transmettre comme message aux gens qui regardent la vidéo. Alors, concernant le foot-fauteuil, n'hésitez pas à aller sur la page YouTube du foot-fauteuil. Et également sur la page YouTube de Marvin, qui explique bien que c'est que le foot fauteuil et qui est un sport qui est donc réservé à des personnes qui ont un handicap lourd physique et qui est quelque chose de très bien, et que vous pouvez trouver des clubs près de chez vous qui peuvent ou pas vous permettre de jouer. Alors c'est vrai que nous à Lyon par exemple, on est beaucoup demandé par des personnes qui aimeraient jouer, mais malheureusement on n'a pas assez de matériel. On n'a pas assez de fauteuils pour tout le monde, donc on ne peut pas accueillir beaucoup, beaucoup de monde, quoi.